Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue au Parc Stadion pour cette rencontre du groupe 2 de cette Coupe du Monde 1974. Et le Brésil a un gros coup à faire cet après-midi. Après la victoire de la Yougoslavie face à l'Écosse par 2-0, le Brésil a les cartes en main. Et pour cela, il va falloir battre cette équipe du Zaïr. Sur le papier, c'est très facile, mais on ne sait jamais. Le Zaïr peut se rebeller, pourquoi pas, tenir en échec cette équipe du Brésil qui est assez décevante, cette équipe du Brésil. Ils avaient perdu donc 1-0 face à la Yougoslavie au match d'ouverture et après, ils n'avaient pas fait mieux qu'à 1 partout face aux Écossais. C'est très brouillon, cette équipe du Brésil. Et là, il va falloir mettre les bouchées doubles pour mettre KO cette équipe du Zaïr. Alors, comme vous l'avez dit, Rétroplay 80, il suffirait d'un score favorable au Brésil par plus de 2 buts pour pouvoir se qualifier pour le tour suivant. Et on va voir si cette équipe du Brésil a le cœur de se qualifier. Attention, la première occasion avec Rivelino. Ça va très vite, Rivelino qui frappe, c'est détourné. Et la grosse première occasion de ces Brésiliens qui se transforment par un arrêt du gardien. Mais attention, ce n'est pas terminé. Et le Brésil qui va obtenir tout de suite un coup franc que va tirer Rivelino. Ça va très très vite. Rivelino qui frappe, mais c'est détourné. Voilà, le Brésil donne le ton. Pour le moment, les Aïrois sont complètement étouffés. Et ne peuvent pas se dégager de leur camp. C'est Jairzinho qui a le ballon. Ça va très vite. Jairzinho toujours. Ouais, le centre, c'est bien joué. Mirandinha qui a tenté de récupérer ce ballon, n'a pas réussi. Marinho, Jairzinho. Il va trouver Levinha. Da Silva. Allez, Da Silva qui va peut-être centrer. Jairzinho qui tente la récupération. C'est trop court. On peut pas se reposer. Hein. Ça va très très vite. Les Brésiliens sont, je pense, motivés comme jamais. Marinho pour Paulo César, Jairzinho, Jairzinho toujours, allez Jairzinho, il va vite, les défenseurs ne peuvent pas le récupérer, la frappe s'est détournée en corner, le premier corner de cette rencontre, la belle frappe de Jairzinho, ah, les défenseurs étaient à la traîne, heureusement le gardien qui détourne en corner, allez, premier corner de cette rencontre tiré par Rivelino, Jairzinho qui tente, la passe pour Levinha, il ne pourra pas récupérer ce ballon. On va pouvoir se dégager du côté du Zaïr. Pour le moment, les Zaïrois qui n'ont eu aucune occasion et qui subissent. Attention, Rivelino. Mirandinha s'est récupéré pour Jairzinho. Oui, il va mettre Jairzinho dans la surface, la frappe. Oh, une nouvelle fois, c'est bien détourné par le gardien. Alors, il s'en est pris, allez, en tout 7 lors des deux rencontres. Mais il nous a sorti quand même des parades assez extraordinaires. Il faut reconnaître que ce gardien a quand même du talent. Après, voilà, j'ai l'impression que pour cette Coupe du Monde, la mayonnaise ne prend pas pour cette équipe zaïroise. Il y a eu quelques des actions, des bribes d'action assez intéressantes face à l'Écosse. Mais face à la Yougoslavie, c'était vraiment une catastrophe. Et malheureusement, cette équipe zaïroise, bah, qui peut rentrer chez elle avec les honneurs en essayant de faire un résultat face à cette équipe du Brésil. Mais attention, Mirandinha qui a le ballon. Il va vite. Jairzinho. Jairzinho toujours pour Rivelino qui ne peut pas récupérer. C'était bien tenté. Allez, c'est récupéré avec Kidumu. Mais c'est Paulo César qui récupère. Mirandinha. Levinha. La frappe de Levinha. Le poteau. Attention, c'est pas fini. Rivelino. Pour Mirandinha qui va dans la surface. Il y a un gros cafouillage. La frappe de Mirandinha, le but. Et l'ouverture du score pour le Brésil. Le voilà. Gros cafouillage dans la surface zaïroise. Et Mirandinha qui ouvre le score. C'est logiquement hein, que cette équipe du Brésil ouvre le score. Voilà, on voit un petit peu cette... maladresse de la défense zaïroise. Voilà, il aurait pu dégager. Il est un petit peu déstabilisé. Il y a un gros cafouillage. Mirandinha, voilà, qui du pointu envoie ce ballon au fond des filets. Ça fait 1-0 après 16 minutes de jeu.
de quoi mettre totalement en confiance cette équipe du Brésil. Allez, Mouepou. Attention, Mouepou pour Ndai. Ouais, c'est récupéré par Lévinia, qui aurait pu marquer un très joli but tout à l'heure. Attention, Rivellino, Rivellino. Les joueurs brésiliens sont en feu cet après-midi. Ça se voit vraiment une grosse détermination. Jairzinho qui récupère. Il préfère passer pour Paulo César. C'est retourné pour Jairzinho. Il passe deux joueurs, il va récupérer le ballon. Lévinho pour Paulo César. Rivellino. Lévinia, le deuxième but, le voilà. Oh là là. Il est superbe celui-là. Le petit centre de Rivellino et Lévinia qui récupère d'une tête plongeante. Et si on en reste là, le Brésil est qualifié pour le second tour. Et au vu de ce que nous ont montré les Zaïrois en cette début de période, ça va être très compliqué pour voir cette équipe du Zaïre réagir. Le Brésil est très bien installé, a parfaitement déployé son jeu et mène déjà 2 à 0. Nous sommes à la 20e minute de jeu et je pense que là, les supporters écossais doivent être très déçus. Mais en même temps, ils avaient un petit peu manqué ce match face au Brésil. Il y avait peut-être mieux à faire. Attention, Jairzinho. Jairzinho, c'est presque trop facile. Oh, Jairzinho qui n'a pas pu récupérer le ballon. Et là, on sent que la défense prend l'eau de tous les côtés. Regardez, on essaye vraiment de dégager comme on peut le ballon du côté du Zaïre. Mais il y a toujours un Brésilien à la réception du ballon. Ça va être un match très difficile, je pense. Lévinia, Rivellino, Mirandinha. Ah, c'est bien joué pour Rivellino. Oh, c'est trop facile. Rivellino pour Mirandinha, il est tout seul. Et le troisième but. La machine brésilienne est en marche. Et 3-0 pour le Brésil. Qui... Et ben dans son goal average rajoute un but maintenant. Et à 3-0, on ne voit pas comment cette équipe du Zaïre va pouvoir revenir. Et pourtant le match est loin d'être terminé. Là, un gros laxisme de la part des défenseurs zaïrois. Voilà, les joueurs étaient tous les deux devant le gardien. On serait cru presque à l'entraînement. Allez, Mana. Oh là là, Mana qui perd le ballon. Mukombo, il est face à Mirandinha. Mirandinha, il perd le ballon. Heureusement, Mukombo qui ne peut pas récupérer. Ouh là 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 là. Là, j'ai vraiment peur pour cette équipe zaïroise. Ça peut y avoir un score très net ce soir, je pense. Allez, Rivellino pour le corner. La tête de Mirandinha, il l'a pris au-dessus du crâne. Ça passe au-dessus. Et nous sommes à la demi-heure de jeu. Et le Brésil qui est sur le bon chemin pour se qualifier pour le second tour. Allez, Rivellino qui récupère ce ballon. On a l'impression que les joueurs zaïrois ont complètement abandonné. Rivellino, le centre. Mirandinha, il a tenté de récupérer ce ballon de la tête. Il n'a pas réussi. Lévinia, la frappe. Ouais, c'est dévissé complètement. Ça passe à côté. Jairzinho. Toujours. Qui lance. Ouais, c'est mal donné. Par contre, c'est récupéré par les Zaïrois. Mouepou. Oh là là, c'est perdu. C'est récupéré par Mirandinha. Il va vite, Mirandinha. Jairzinho. Jairzinho. Ouais, il perd le ballon. Il va récupérer. Il va passer pour Nelinho. Qui repasse pour Jairzinho. Le centre. Ouais, Lévinia qui a tenté de récupérer de la tête. C'est Marinho pour Da Silva maintenant. Ouais, il va y avoir un coup franc. Il est déstabilisé le joueur et c'est Marinho qui va le frapper. La frappe superbe. Une nouvelle fois parade du gardien. Qui s'est jeté. Enfin, vraiment gardien très très agile. Allez, Nelinho.
le centre, personne à la récupération. Romarinho qui tente la tête, ouais, c'était bien vu. Le gardien était avancé, mais pas assez fort. Mouépou. Ils n'ont aucune solution, ces joueurs zaïrois. Regardez, ils sont déjà asphyxiés par les joueurs brésiliens. Dès qu'ils ont le ballon, il y a au moins deux joueurs qui sont à l'affût. Hendaye, toujours face à Luis Pereira. Elle est peut-être la première occasion, et non, c'est vite perdu. Mais on va peut-être obtenir voilà, un coup franc pour les zaïrois. Le centre. Et il n'y a personne à la récupération. Ça va faire une sortie de but. Ah, il faut s'appliquer, ils savent, les Aérois, ils vont pas avoir beaucoup d'occasions. Alors les coups de pied arrêtés, c'est presque un... pas tout bénef, mais voilà, ça peut permettre d'avoir des belles occasions. Et malheureusement, c'est complètement loupé. Le centre de Jairzinho, il n'y a personne à la récupération. Kembo qui tente de dégager ce ballon, mais il l'a vite perdu. C'est récupéré par Lévinia. Il va passer un joueur et repasse en arrière pour Paulo César. Jairzinho, oh, il va vu Jairzinho, quel match ce soir. Jairzinho la frappe, une nouvelle fois le gardien qui détourne le ballon en corner. Il aura quand même sauvé les siens. Hein. Regardez, bon, elle allait, je pense qu'elle n'allait pas dans le but, mais il l'a quand même détourné. Allez, le corner. Lévinia, le quatrième but. Sur ce corner, Lévinia qui marque son second but du match. Il y a du spectacle ce soir. Oh, mais regardez. Regardez un petit peu les joueurs zaïrois. Et même le gardien reste complètement statique. Il n'y a que Lévinia qui saute. Et même le gardien regarde le ballon rentrer pour dire que j'ai l'impression que cette équipe du Zaïre est complètement hors sujet. Sont complètement résignés à jouer cette rencontre. Et Paulo César qui récupère ce ballon. Rivelinho. Mirandinha, il y aura 4 minutes d'arrêt de jeu. Attention Mirandinha, ouais, il est parti seul, mais il a accroché le défenseur. Et on fait déjà un changement. Le sélectionneur zaïrois qui décide de faire un changement juste avant la mi-temps. Attention, c'est Rivelinho qui récupère. Il va vite Rivelinho. Rivelinho encore, la frappe. Oh, il a été contré, ça a ralenti le ballon. Et l'arbitre qui va siffler cette mi-temps, et le Brésil est plus que jamais qualifié pour ce second tour. Il accompagnera la Yougoslavie. Attention, Rivelinho, c'est superbe. Quel but! Ah, celui-là, il est très beau. Et Rivelinho qui ouvre... son compteur but, si je dis pas de bêtises, ou non, il avait peut-être marqué face à l'Écosse. C'est son deuxième but de cette Coupe du Monde. Et regardez la belle passe de Mirandinha. Le petit contrôle. Il n'y a pas main. Ah, faudrait regarder s'il n'a pas touché le ballon de la main. Ah, c'est sur cet angle-là, c'est pas facile. Mais ça reste quand même un très beau but. La petite balle piquée. Et ça fait 5-0. Est-ce qu'on va assister au plus gros score de cette Coupe du Monde? Eh ben, faudra attendre la seconde période pour voir si le Brésil va en rajouter d'autres. Attention, peut-être le sixième but, là, Rivelinho, il va tout seul. Les joueurs qui ont complètement abandonné la rencontre en face. Mirandinha qui récupère, Jairzinho. Ouais, c'est contré. Et voilà, l'arbitre qui siffle la fin de cette première période. On a vraiment assisté à un match à sens unique. Et le Brésil qui mène par 5-0 et qui est qualifié et qui sera sûrement qualifié pour la suite de cette Coupe du Monde. Voilà, je vous laisse regarder les meilleurs moments de cette première période avec tous les buts marqués. Et je vous souhaite une bonne pause et on se retrouve juste après ces meilleurs moments tout à l'heure.
Voilà, on est de retour au Parc Stadion. Cette équipe brésilienne écrase, c'est le mot parfait, écrase cette équipe zaïroise. 5-0 en première période. Ouh, attention, il y a Kembo qui est par terre. Ah, il va être sorti. Il y a eu un petit contact, je crois, avec Levinha. Et le joueur qui se fait soigner. Mirandinha. Allez, Rivelino qui récupère. À Jairzinho. Mirandinha. Qui lanceur, Rivelino. 47e minute de jeu. Rivelino, ça passe au-dessus. C'était bien tenté. Là, le Brésil qui peut tranquillement jouer cette seconde période. Je pense qu'ils n'ont rien à craindre de cette équipe zaïroise. On les a vus. Hein. On va pas se cacher, on va pas se voiler la face. Cette équipe du Zaïre qui est complètement baissé les bras. Et je ne pense pas que cette équipe va vouloir. On peut pas renverser la rencontre. Attention ici avec Jairzinho qui a tenté de récupérer ce ballon. Mais au moins tenter de marquer un but, de sauver l'honneur. Ça va être très compliqué. Quand on est déjà mené 5-0, je pense que. On n'a pas envie d'en donner plus. Et c'est dommage, cette équipe du Zaïre, on nous en a dit que du bien. C'est une équipe qui faisait... elle nous faisait peur, cette équipe du Zaïre. Enfin, elle faisait peur à beaucoup d'équipes. Attention, Rivelino, peut-être. Et le sixième but, le voilà. Le voilà, le sixième but. Ah ouais, il est pas mal celui-là aussi. La balle piquée. Et Rivelino qui récupère ce ballon du crampon. Et on améliore le goal average pour cette équipe du Brésil. Il fallait deux buts. Il y en a déjà six. Et je pense qu'on n'en a pas fini. Oui, comme je disais avant le but, cette équipe du Zaïre qui on avait écouté beaucoup de bien de cette équipe du Zaïre, que c'était une équipe qui pouvait faire des surprises. Malheureusement, je pense qu'il y a un palier un peu trop important et ils sont tombés vraiment dans un groupe aussi qui était très très difficile. Donc c'est pas étonnant de voir cette équipe souffrir. Mirandinha, 7-0. Et c'est un triplé pour Mirandinha. Très joli but aussi, mais voilà. Mirandinha tranquille, il n'a personne sur lui. Il n'a pas besoin de forcer son talent. Il a pris son temps de bien placer cette tête et voilà, ça fait 7-0. Et on a fait deux changements du côté du Brésil. Valdemiro en attaque et Dirceu sont rentrés. Voilà, on fait souffler. Cette équipe du Brésil est qualifiée pour le second tour. Alors elle terminera pas première, elle terminera je pense deuxième. C'est même pas je pense, c'est même sûr. Elle va terminer deuxième au grand dam de cette équipe écossaise qui doit être forcément très déçue. Mais je pense qu'au plus profond d'eux, les supporters n'y croyaient peut-être pas forcément. Hein. C'est vrai que quand on joue face au Zaïre, voilà, sans me moquer de cette équipe du Zaïre, hein, c'est très compliqué pour eux. On a vu les faiblesses qu'avait cette équipe. Voilà, on pouvait se dire que c'était presque malheureusement joué d'avance pour les Écossais. Et Valdemiro pour Jairzinho, Dirceu qui touche un de ses premiers ballons, Levinha. Et là on fait tourner du côté brésilien, mais regardez, personne sur Da Silva, il peut tranquillement courir. Le centre, Valdemiro, ça passe au-dessus. Je crois que c'est son premier match à Valdemiro de cette Coupe du Monde. Voilà, on fait rentrer du 109 aussi du côté des Zaïrois. Mais bon, la fête n'est pas là. Ça aurait pu être un très beau match de gala. Attention, Rivelino, il est tout seul. Pour Valdemiro. Rivelino, oh là là, il a complètement loupé sa frappe par contre.
Ah oui, et puis il a été déstabilisé par le défenseur. Alors il y a peut-être un corner, non? Non, non, il y a sortie de but. Ça me paraissait étonnant de voir Rivellino manquer une frappe supposée facile. Lévinia qui repasse en arrière pour Da Silva. Ça va être récupéré par les Aérois, mais c'est vite perdu. Lévinia. Jairzinho. Valdomiro qui ne peut pas récupérer, ça va être dégagé. Ouais, Valdomiro qui récupère. Dirceu, Jairzinho, Dirceu. Dirceu qui perd le ballon. Jairzinho, la frappe. C'est bien joué, mais c'est bien récupéré par Kazadi. Allez, c'est récupéré là. Allez, Aérois qui tente quelque chose, mais bah, c'est trop difficile. C'est trop difficile face à des défenseurs très expérimentés. Kakoko. Ouais, il est déstabilisé, mais c'est récupéré par les Brésiliens. Marinho pour Lévinia. Au milieu de terrain. Lévinia, il va plus vite que tout le monde. Il récupère le ballon. Valdomiro pour Rivellino. Ah, ça joue bien en passe. Ça joue très très bien en passe. Et là, le Brésil qui joue comme il aurait dû jouer les deux premiers matchs. Ah, par contre, là, le centre, il est pas bon, mais il va être récupéré quand même par Da Silva. Lévinia, mais après je serais assez attention peut-être la tête. Rivellino, Lévinia, il y a une poussette, l'arbitre qui va siffler une faute. Mais je serais curieux de voir quand même une équipe du Brésil face à une équipe un peu plus forte qu'elle. Car là, bon, on peut faire du beau jeu face à une équipe qui ne joue pas. Voilà, attention Jairzinho. Jairzinho, il va passer le joueur. Allez, peut-être le 8e but. Oh, il l'a loupé complètement. Il l'a loupé complètement. Oh, il a frappé trop fort dans le ballon. Ah, ça arrive même au meilleur. Je crois même qu'il a voulu tenter une petite balle piquée. On lui en voudra pas trop. Il y a 7-0 pour le Brésil. C'est vrai qu'on peut tenter des choses qu'on pourrait pas tenter en temps normal. Allez, Jairzinho, toujours. Il va plus vite que tout le monde. Jairzinho, toujours. C'est un festival, Jairzinho. Allez, tout seul encore avec le ballon. C'est bien joué. La passe pour Valdomiro. Lévinia qui ne peut pas récupérer. Rivellino qui a tenté la frappe. Oh, il est déstabilisé. L'arbitre ne dit rien. Il y a un gros cafouillage encore une fois dans la surface. Nelinho qui va récupérer. Pour Lévinia, la frappe en pleine lucarne. 8-0. Quelle frappe de Lévinia. Et il va marquer un triplé aussi ce soir. Elle est belle la frappe. Vraiment parfaite. Il a eu le temps de contrôler son ballon et d'armer sa frappe. Ça part en pleine lucarne. Il est beau celui-là aussi. On marque beaucoup de buts, mais on marque des jolis buts aussi. Et encore une fois, la défense aéroise complètement absente. Et ça fait 8-0 pour les Brésiliens. Vraiment un match de gala pour cette équipe du Brésil. Presque un match d'entraînement. Et hors-jeu, Ndike est hors-jeu. Ah, j'aimerais quand même voir cette équipe zaïroise, pourquoi pas marquer un but ou se procurer une occasion quand même. C'est dommage de partir dans d'une Coupe du Monde sans avoir marqué, sans avoir eu... l'occasion de montrer qu'on avait une envie de faire quelque chose. Et Jairzinho, il a passé le joueur, ça va être un corner je pense. Oui, c'est Rivellino qui va le tirer. Nous sommes à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Et le Brésil mène 8-0. Ouais, la tête de Jairzinho, pas assez forte. Allez, on se dégage avec Valdomiro. Qui fait du bon travail, Valdomiro. Dirceu. Lévinia qui récupère pour encore Lévinia. Lévinia toujours. Rivellino. Valdomiro. Oh, c'est détourné. Attention, c'est pas fini. Il va y avoir un corner. Allez, nouvelle fois corner. Valdomiro pour Nelinho. La frappe. Oh, c'est superbe. Et encore une fois, le gardien qui fait une parade. Ah vraiment, je vais encore le dire, hein, mais je tire mon chapeau à ce gardien. Il n'a pas été aidé
par ses défenseurs, peut-être par l'équipe entière, mais il nous a fait quelques arrêts qui mériteraient d'être qui méritent d'être salués. Valdemiro, Jairzinho, toujours Jairzinho, c'est superbe ce qu'il fait Jairzinho. Oh là là, le passe de joueur, il a frappé, c'est détourné, Rivellino qui récupère et qui marque. 9-0. Et on si ouais, je sais pas, il y a eu combien non. On n'est pas encore au niveau du record. Il y avait eu en 1970 lors de la Coupe du Monde un 10 buts à 1 si je dis pas de bêtises. Ou un 11-1, je me rappelle plus, il y avait eu un très gros score. Et je pense que ça fait partie du deuxième pour le moment plus gros score de cette Coupe du Monde. Je pense que ça va être difficile de faire mieux. Rivellino, Lavinia. Ouais, peut-être un dixième but, on sait jamais. Ils sont très bien partis. Valdemiro, peut-être pour le dixième. Ouais, Valdemiro qui a été stoppé par le défenseur. Il récupère le ballon. Valdemiro pour Rivellino. Lavinia, il y aura 2 minutes d'arrêt de jeu. Jairzinho. Ouais, on ne s'affole pas du côté des Brésiliens. On essaye de bien faire tourner le ballon. Neninho pour le centre. C'est où qui va récupérer, on renvoie pour Rivellino, ça joue bien, Lavinia à la reprise de volée. Ah, il n'y a personne à la récupération, on dégage comme on peut. La reprise, superbe de Lavinia, ça passe au-dessus. Et le Brésil qui a rempli son contrat, c'est terminé. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre, on va voir tout de suite. Voilà le classement de la Yougoslavie, première 6 points avec une différence de but de plus 8, suivi du Brésil, 3 points. Et une différence aussi de plus 8. Voilà, c'était une rencontre à sens unique, mais on a vu beaucoup de buts. Je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt pour la suite de cette Coupe du Monde. Et nous approchons petit à petit du second tour. Bonne soirée à tous et à très bientôt.